Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Alors aujourd'hui, Iron Man, numéro 32 et numéro 33. Alors le numéro 32, je suis désolé, je l'ai monté. J'ai galéré à mort pour le monter. Soyons clairs, là, le voici. J'ai galéré à mort pour le monter. Et j'ai perdu l'enregistrement. Donc je ne peux pas du coup vous montrer la vidéo. Ce que je peux faire en revanche, c'est vous envoyer vers la chaîne de Chris Collection. Là, vous allez pouvoir retrouver le montage du numéro 32. Voilà, je suis vraiment désolé. Par contre, on va reparler de cette pièce-là parce que il y a des choses à dire là-dessus. Et après, on va attaquer normalement le numéro 33. Là, j'aurai pas de souci particulier avec celui-là. Allez, on va voir ce qu'il y a dans le numéro 33. Et après, on va discuter un peu de l'articulation du genou. Le numéro 33, on va s'attaquer hop à la hanche gauche. Montage assez simple, deux choses à visser. Ça devrait pas être trop compliqué, ça devrait se faire relativement rapidement. On voit ici donc c'est bien une pièce qui se situe au niveau de sa hanche. De la même jambe du coup que le genou et que le pied. Alors je sais que ça peut paraître bête à dire comme ça, mais on sait que la logique n'est pas forcément celle qu'on pense. On aurait très bien pu faire la hanche gauche, hein, il n'y a aucun souci, mais non, je pense qu'on est bien parti pour faire la jambe complète et la jambe gauche complète. Et ici, ça nous dit que dans le prochain numéro, on va continuer la hanche gauche. Et bien, on va voir ça tout de suite. Alors, avant de commencer, enfin, le 33, on va discuter un peu de cette pièce qui est quand même assez lourde, hein, elle est très qualitative, tout en métal. Il y avait deux articulations dessus. C'est des articulations qui sont prévues pour être d'office très, très dures. Étant donné que tout le poids de la figurine va tenir sur ce genou. Et l'idée, c'est si on la met debout, même si elle est maintenue au socle par une pince, l'idée, c'est que le genou ne vienne pas se plier tout seul. Du coup, ils ont fait une articulation de genou qui est hyper dure. Ah! On arrive à la manipuler, il n'y a aucun souci, mais. Ouf! Voilà, c'est super, super dur. Alors, il y a une petite astuce que Chris, justement, m'a donnée. Si jamais vous n'arrivez pas du tout à manipuler cette pièce de cette façon-là, ici à l'intérieur, on voit une petite lamelle noire. Et il suffit avec. Alors, je vous conseille d'utiliser un des tournevis de la collection. Ils sont. Voilà, si on vient le casser, c'est pas très grave. On a une petite lamelle noire ici. Et il suffit de venir appuyer dessus avec le tournevis pour venir tout simplement désaccoupler l'engrenage qui est à l'intérieur. De cette façon-là, tac. Et à partir de là, vous le manipulez 2-3 fois, ça va le rendre un peu plus souple. Et là, du coup, vous allez réussir à venir bouger son articulation ici. Donc, voilà. Soyez pas surpris, c'est très très dur. Même principe avec cette articulation-là, si vous voulez la manipuler. Il suffit de venir ici jouer avec ce petit bout en métal noir. Que j'essaye de bouger. Voilà. Et là, à force de le manipuler, vous allez réussir à faire bouger cette pièce qui n'a pas envie. Ah, voilà, ça y est. Donc voilà, tout est question de manipulation. À force de le faire, voilà, on y est. Faut vraiment pas hésiter. Il faut y aller, il faut forcer, le faire plusieurs fois. Et à un moment donné, on finit par y arriver, les deux articulations, on finit par réussir. Allez, bougez! Voilà, c'est le point que je voulais voir avec vous sur ce genou. Là, en tout cas, je suis sûr et certain, notre Ironman, il va pas plier des genoux tout seul. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, allez, on va passer à l'assemblage du numéro 33, comme promis. Alors, dans ce numéro, on va retrouver des gros morceaux en plastique. Ils sont plutôt bien gérés, niveau peinture, j'ai aucun souci. Comme d'habitude, hein, j'ai pas de bulles, j'ai pas de traces. On va retrouver des petites pièces en plastique ici et là avec les vis qui vont bien. Donc on va attaquer ça de suite. La première étape va consister à prendre la pièce sur laquelle on a l'emplacement de prévu et on va venir brancher cette pièce-ci avec la vis qui va bien. Et on va venir la positionner de cette façon-là. On va la mettre ici. Et on va la visser
gentiment de cette façon là et on vient la visser. Voilà qui est fait. Cette cassette en place et la vis également. Seconde étape, on vient récupérer cette pièce qui ressemble un peu à rien. Et on va venir la positionner sur l'autre élément en plastique qui est ici. On prend la pièce de cette façon-là, avec la partie creuse vers nous et la grosse partie ici vers nous également, vers le bas. On a une grosse là, une petite là. Donc la grosse partie vers nous, on la met et on appuie. Ça vient se mettre dessus tout simplement en pression. Aucun problème avec ça. On va mettre ça de côté. Il nous reste à prendre cette pièce-ci, la coupelle de l'articulation, avec cette pièce-là, qui va venir se positionner à l'intérieur, au centre. Et ça va être mis en place par une vis IP. Hop, qu'on vient visser au centre. Et voilà, le travail. Du coup, à la fin de ce montage, je me retrouve avec les deux éléments de la hanche. Ici et là, ainsi que la partie de la coupelle. Voilà, voilà ce qu'on a dans ce numéro. On va pouvoir commencer à continuer la hanche dans les prochains numéros. C'est plutôt sympathique, c'est des belles pièces. Ouais, c'est pas mal, plutôt content de cette collection-là. Bon allez loulou, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Parlez de moi, partagez un maximum, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Merci également aux contributeurs qui vont laisser un petit pourboire sur Tipeee ou Utip. Merci à eux, c'est grâce à vous que la chaîne est toujours là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de soirée. Tout dépendra de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao !